Bah YouTube, comme ça t'as pu voir les drapeaux. YouTube, t'es de la partie. J'espère que tu vas bien. Installe-toi. On est mort 8 fois. On entame le 4e chapitre du jeu. J'espère qu'il y en a beaucoup. J'aurais tendance à dire qu'il devrait y avoir 12 chapitres. Je sais pas pourquoi. Ça me semblerait être un chiffre plutôt classique, plutôt logique. 13 ! Let's go, il y en a 13. Ok. Donc il y aurait de quoi faire 3 lives. En fonction de la difficulté et du temps. A mon avis, ce soir, on termine celui-là. On fait le 4e chapitre et puis... Zit, tu penses ? Là, on a terminé le chapitre fusion. Maintenant, let's go. Ça fait de quoi le prochain nom ? Olivia Pierce, tête pensante de l'UAC, cherche à ouvrir un portail vers leur dimension, vers l'enfer. Elle aspire à la fin de ce monde, une nouvelle âme déchue sous le contrôle de l'enfer. Elle se sert de la tour d'argent pour creuser un passage et laisser entrer des ordres. Des ordres ? Tu vas dire ce mot, il est bizarre. Des ordres. Des hordes. Oh là, c'est parce que je fais la liaison, c'était moche. Des ordres. Ça faisait un peu ta chambre est en désordre un petit peu là. Et laisser entrer des hordes démoniaques venues de l'enfer. Sceller la tour avant que le tunnel ne soit terminé. Désactiver les filtres énergétiques situés dans le complexe. Ok. Ok, ok. Creuser un passage, ok. Ah oui, c'est carrément un passage dans la terre, quoi, le passage. Sceller la tour avant que le tunnel soit terminé, d'accord. 666 chapitres plus tard. L'enfeuse, le début de la fin. Ah ouais, ah, je suis vraiment au début du jeu, donc... Olivia se sert de la tour pour percer un passage vers leur monde. Désactiver les filtres à induction pour désactiver les tours et l'empêcher de continuer. L'enfeuse, je suis content de te revoir ici. J'ai l'impression que ça faisait une éternité. T'aimes pas les jeux que je fais ou quoi ? Sont fréquentes en dehors de la base. Il est donc fortement recommandé aux ouvriers de se... L'enfeuse, il aime pas Elden Ring, je pense. Tu veux pas t'ouvrir ? Je pense l'enfeuse, il aime pas Elden Ring. Triste, hein. Alors, Bat, réfléchis, t'es déjà bloqué dans le nouveau niveau, là ? Les activités interdimensionnelles autonomes sont fréquentes en dehors de la base. Il est donc fortement recommandé aux ouvriers de se déplacer en... Ah, on va retourner dehors. J'aime bien l'ambiance. Qu'est-ce que j'aime l'ambiance. Fais-y sauter sans réfléchir. Tant que je l'ai pas fait. Il se crée là. Oh, let's go, de l'armure. T'as l'armure, il faut la mériter dans ce jeu. Hein. Vraiment, je trouve que l'armure, ils en distribuent que dalle. Hein. Vraiment la chercher. Hein. Alors ouais, les secrets et tout ça, j'avoue que je fouille pas assez bien, mais... C'est vrai que les bruits des zombies, OG, il avait raison, ils sont un peu forts pour rien. Hein. Il y a pas de munitions là-bas. Zéro notif de tes streams. L'enfeuste, ça c'est parce que... tu n'as pas... Après on fait pas que ça, hein. On a fait plein de jeux, tu sais, ces derniers temps. Mais c'est que tu ne me suis pas assez sur les réseaux, monsieur l'enfeuste. Mes streams, je les donne sur Facebook, sur Twitter... Sur Discord et même sur Instagram. Or, la notification, bon, à d'autres. Hein. J'ai vu le replay d'hier, Insane Ricard, dommage que c'était court. Ouais, ça a été un peu trop simple, hein, mais c'était trop stylé. Hein. Et j'ai un regret, j'ai pas utilisé ma compétence un peu spéciale de l'arme. Épreuve runique. Utiliser le shotgun pour éliminer 15 diablotins avant la fin du temps imparti. Récompense, aspirateur, augmente la portée d'absorption des objets tombés. Ah, let's go! Ok, c'est un défi, les gars. Oh, stylé. Encore là, je kiffe bien le jeu et ses musiques. Et merci de donner tes sous, t'as été voir aussi pour les 13 missions. Putain, je lis les messages 15 ans après. En vrai, 5 minutes, ça va. Mais...
Ah, c'est une arène et tout. Attends, j'ai 10 secondes. Attends, quoi? Attends. Ah non, 2 secondes par élimination, 4 secondes par glory kill. Ok. Oh, j'aime bien. Ça me rappelle Kena. C'est le premier défi, il est facile, je pense. Oh là, karma. Et merde, le karma. Ok. Ça peut être très cool dans les prochains défis, hein. Ça peut être du tryhard, ça peut être vachement cool, se jouer à une seconde près et tout. Dans Kena de Bridge of Spirits, il y avait ça. Il y a ça dans beaucoup de jeux d'ailleurs. Hein. Mais je me rappelle que, bon, dans Kena, c'était très dur. Mais ici, ce sera très dur aussi, mais ah, ça me chauffe un peu. Pas Insta, pas Twitter, pas ton Discord, et je viens juste de recréer un Facebook. Monsieur Lenfeu, je suis asocial. Non, tu es à réseau. Bon, c'est pas grave. Y a pas de souci, hein, Lenfeu. Et Anaïs, bienvenue. Je te pardonne, Lenfeu, je t'en veux pas, juste un peu. Plus t'es pas sub et tout, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Plus tu dis jamais bonjour. Ça peut être très cool comme petite mission. Ouais, je pense, hein. Ça peut être très difficile, hein. Et frustrant, mais tryhard, tu vois. Et Anaïs, ça va et toi? Comment tu vas? Bienvenue, hein. Bienvenue. Alors, c'est un jeu, on va voir si tu vas aimer. Gros FPS, shooter de démons. On détruit du démon, quoi. Nous sommes un marine qui est... succès déverrouillé. Qui est sur Mars, sur une station qui sert à récupérer des ressources, directement des ressources qui viennent des enfers. Sauf qu'ils ont creusé trop avidément... comment on dit? Donc les runes contiennent les runes disponibles pour vous équiper. Je voulais lâcher la phrase du Seigneur des Anneaux par rapport aux nains qui ont creusé trop profondément là. Mais de toute façon, c'est même pas, ça va même pas avec avec ce qui se passe dans le jeu. Désolé, je dis plein de conneries. Les runes. Ok. Alors j'ai aucune rune équipée, d'accord, mais j'en ai une. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord, je vois. Ok, je vois. Stylé. Ça va le faire. Quoi de neuf? Ben je découvre un jeu ce soir, Anaïs, et j'adore. Voilà ce qu'il y a de neuf aujourd'hui. Ah, j'aime bien l'ambiance, là. Les démons, ils m'observent. Vous avez vu, ils m'observent, les démons, là. C'est cool qu'il y a un petit peu de mise en scène, quand même, parfois, quoi, tu vois. Tu vas bientôt être ban, Lenfeuse, mais tranquille, profite de quelques minutes. Je peux plus piller sur Internet pour l'instant. Merci, ma banque. Rien pour identifier sur Internet. Aïe. Tu veux que je t'envoie un courrier quand je fais des mails? Quand je fais des mails. Quand je fais des lives. Mais je rigole, hein. Force à toi, en tout cas. Force à toi, très cher Lenfeust. Mais en tout cas, je répète, mais je suis content de te revoir ici. C'est cool. Dernièrement, on a fait quoi? On a fait Inside, Resident Evil 2 Remake, sur PlayStation 5. On commence le 3. On commence le 3 ici, vendredi. Demain, d'ailleurs, on fait du Stranded Deep. Ça, c'est chez Contact. On fait toujours du Elden Ring. On a commencé Horizon Forbidden West. Un jeu très quali. Vraiment. Je suis surpris. On avait fait Horizon Zero Dawn sur la chaîne il y a quelques mois. On avait été déçus. On avait comme terminé, mais... Il était long. Il était vraiment... Il était pas ouf. Là, le 2, il a réussi à faire bien tout ce que le premier a fait mal, quoi. Oh, shit! Anaïs? Voilà quoi, on va voir. Hein. Faut peut-être appeler Soti, là, la bouchère. Putain, c'est violent. J'aime bien ces signes. C'est vraiment démoniaque. C'est des démons, tu vois. C'est pas juste des aliens ou des monstres. C'est les démons qu'on combat, là, tu vois. T'es sûr que c'était une blague? Donne tes sous. Je sais que t'es quelqu'un de très méchant dans la vie en général. Et non, c'est pas parce que t'as offert 5 subs que je le vois pas, hein. Je suis un connard. Je suis un gros connard. Poussière d'exception. Donc ça doit lui parler, ces trucs-là. Hein.
J'aime bien l'enjeu parce que t'as plein de petits trucs comme ça. Bon, ça, j'ai jamais vu spécialement, mais des endroits, tu croirais qu'il y a un truc à activer, il y a rien. Sauf que des fois, il y a quelque chose à activer. Donc tous les écrans, allez, il y a plein de jeux où tu vois bien quand c'est fait, quand ça te concerne pas. Ici, t'as le doute, quoi. Tu peux l'ouvrir ou pas? Non, je peux pas la forcer. J'aime bien. Mais, bah dis donc. Il y a un son bizarre, non? Il n'y a pas un petit souci dans la musique quand je les tue? Vous entendez? Il y a des bruits bizarres. C'est que quand je fais des kills, mais... Oh, attends, doucement, ok, je fais de la merde. Oh, je suis coincé sur une barrière. Non. Ça, c'est un peu le karma parce que j'ai ouvert ma bouche en faisant le malin par rapport à vous. Mort plus, c'est fait. Ah non, ça marche pas. L'enfeu, ça marche pas, ça. C'est une commande que t'as vue sur un live? Mort plus. Genre, c'est un truc que t'as vu sur un live ou tu dis ça juste pour me faire un rappel à moi? Elle se prépare pour Halloween. Ben oui, je sais, ça. J'ai hâte d'aller... Putain, mais l'enfeu, ça arrête, j'ai cru. Putain, il se fout de ma gueule, maintenant. Il me faudrait un emote mort. Un emote décès. Il m'en faudrait un, non? Là, les deux que vous avez envoyés, celui d'Akilusan et l'autre, ils sont très cool. C'est vrai que je travaille là-dessus, peut-être. En fait, j'étais détente parce que je voyais tous les mêmes mobs. Je les tue en boucle, tranquille, au petit pistolet, mais... Ah, t'as vraiment vu ça? Super le streamer, arrête. Elle est où, ma grenade? Ma grenade? Je suis coincé, ma grenade a pas fonctionné? Bon, attends, ça me saoule. Ma grenade, Ah, c'est bon, ça me saoule. J'avais fait une super belle grenade le premier coup, et là, je l'ai envoyé, je l'ai pas vu exploser. Mona! Bienvenue! Comment ça va? T'as vu, il paraît que. Cette très chère Naepic a lancé Doom ce soir aussi, en même temps que moi. Mais genre, elle était pas au courant, tu vois. On a lancé tous les deux Doom. C'est quand même fou, non? Moi, perso, je trouve ça fou. Hein? Ah oui. Pas laisser les petits avoir de la vie. Non, je suis obligé de les tuer. Oh, c'est quoi ça? C'est fou, hein? Bienvenue, Mona, je suis content de te voir ici. Ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien depuis hier, hein. Hop. Attention, le gros. Quoi, mais non? C'est bon, c'est calme, c'est fini. Ouh. Intense tout ça, intense. Intense, je peux lire un peu le chat. Une émote sautille. Alors non, Anaïs,
Ah non, je vais pas faire une emote de ta poupée, quand même pas, même si je l'aime bien. Anaïs, un petit emote mort, ce serait cool, on pourrait le spammer sur Elden, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a à pompe, Dashné, à quoi? Tu veux pomper? C'est ça que tu veux? Pourquoi tu dis pompe? Tu veux ma pompe? Je sais pas ce que tu veux. Non, c'est pas fini. Quoi? Ah, tu... ah oui, non, mais non, mais il y a sûrement encore des saloperies, ça c'est sûr. Hein. Ça se entend, monsieur, mais oui! J'ai streamé tard hier, mais c'était... Oui, je sais que t'as streamé tard. Mais je suis resté longtemps dans l'ombre, hein, hier. Je suis resté longtemps dans l'ombre. Parfois avec son, parfois sans. T'as l'air de bien t'amuser, c'est cool. Et le chat aussi. Alors là, attends, ça a l'air d'être... ça va être intense, les gars. Ouh. Un sauvegarde et save. Ah, let's go. C'est cool. C'est cool. Mais moi, je vais essayer de regarder pour pouvoir jouer hors ligne aussi. Je vais essayer de choper ma sauvegarde, la mettre sur le PC, mais j'avais pas trouvé comment le faire en live, donc... pour la rendre populaire. Ce serait une idée, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu pourrais la partager sur tes réseaux aussi, Anaïs. Parce que tu le fais pas trop, j'ai l'impression. Attends, il y a des démons qui se font tuer, là. J'ai rêvé ou il y a un truc qui attaquait les démons? Ouh, pire idée de le faire maintenant. Oh, pire idée, vous êtes prêts? Il a explosé. Putain, je suis déjà triste de quand le jeu va s'arrêter. J'ai pas envie qu'il s'arrête, ce jeu. Il est trop cool. Oh, Ultra, des bisous. Je vais me coucher plus tôt ce soir, plus tôt. Demain, je serai présent pour Stranded Deep. Let's go. Je vais essayer de préparer le stream à l'avance. Tu vois. Je vais peut-être même aller chercher des ressources un peu pour que demain, on soit efficace sur Stranded. Donc, prends soin de toi, Ultra. Parce que oui, je rappelle une fois de plus. Demain, je suis en stream chez Contact Stream. Sur Stranded Deep, le jeu avec le requin, le jeu de survie sur les îles désertes, avec Denis, au milieu de l'océan. C'est demain, chez Contact. Si Kuro peut faire la commande Contact, si tu veux bien, s'il te plaît. Ah, oh, c'était cool ce combat, il était chouette. Garde la tronçonneuse pour les gros. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai plus de courant, enfin de... J'ai plus rien, quoi, depuis un moment. Alors attends, la suite, c'est là ou... Ouais, attends, il y a ça. Il y a... Ça, ça reste fermé. J'entends des bruits. Là, il y a une porte. Mais regardons la carte. Ok, la salle là-bas a l'air bonus. D'abord, c'est bien ça, un bat. Ouais. La salle là-bas a l'air bonus, donc on va faire celle-là d'abord. Ok, j'ai bien fait de la faire au petit gun, celle-là. Donc ça, c'est de la vie, mais je suis au max. Tu vas me dire qu'ici, attends, il y a sûrement un truc que j'ai pas encore vu. Hein.
Eh, comme quoi, ça vaut le coup de réfléchir où on va, hein. Hein ? Merci, hein. Merci, Koro. J'ai failli dire merci, Georges Lebot. Soty pourra rencontrer les cochons volants. Ah bah oui, bah j'espère, on en aura d'office. Il y a des cochons volants à chaque live Stranded Deep, Anaïs, à chaque live. Et mon support PC qui vient de se casser, mon ordi est tombé, j'ai vu des étoiles. Oh, ma pauvre Mona, et ça va ? Tout va bien ? Ouais, ça se passe ? Il a survécu ? J'aime bien ce système de level up là, ça le fait trop là. Blah ! Un œil de saurin. T'as regardé Kuro, la nouvelle série Seigneur, j'allais dire House of Power, The Rings of Power. Allez, on a augmenté munitions, armure, viens on augmente un peu la santé. Let's go. Pas encore ? Ok. Ok. Oui, effectivement, vaut mieux, je pense, Annie. Sinon, elle va déglinguer les cochons, quoi. Mona, est-ce que t'aimes bien ce genre de jeu ou pas ? Vega 2. Alors, c'est quoi Vega ? J'ai pas bien compris. Je croyais que c'était l'intelligence artificielle. Non, mais c'est ça, en fait. En fait, c'est ça. Vega est un acronyme dont la signification exacte n'a jamais été révélée par Aiden ni l'UAC. Une fois baptisé, il fut décidé que l'IA avait besoin du... Ah oui, Vega 2, c'est juste Vega, mais c'est le document 2. Une fois baptisé, il fut décidé que l'IA avait besoin d'une personnalité afin de faciliter ses interactions avec l'homme, avec un grand H. On lui assigna un sexe, masculin, un âge virtuel, 50 ans, et on intégra un système linguistique familier. Les discussions avec Vega sont ainsi apaisantes et agréables. Une étude fut menée avec des étudiants en sciences informatiques pour voir si Vega pourrait passer le test de Turing. J'ai oublié c'est quoi le test de Turing. J'ai oublié, je l'ai appris pourtant. Les élèves devaient poser une série de questions à l'IA par liaison satellite, ainsi qu'à un professeur, c'est Turin, c'est ça ? Déjà dit mort ? Mais non, arrête. Les élèves devaient... Turin, c'est un nain ? Torin ? Torin ? Turin ? Les élèves devaient poser une série de questions à l'IA, par liaison satellite, ainsi qu'à un professeur en mathématiques du MIT, afin de déterminer lequel était l'ordinateur. 92% des étudiants conclurent que les deux interlocuteurs étaient humains. Seuls 8% pensèrent que Vega était une machine. Vega jouait également le rôle du professeur. Attends... Alors, Vega, attends, oui, Vega, c'était les deux, il n'y avait pas d'humain, en fait. Il n'y avait pas d'humain, c'était deux fois... Ok, c'est stylé. C'est stylé. Un test pour mesurer la capacité d'une IA à tenir une conversation humaine normale. Oui, mais je me rappelle plus comment ça se passe. J'avais un peu appris tout ça, mais... Ok. Mais merci, Kuro. Test de Turing, une proposition de test en intelligence artificielle fondée sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Lourd. Moi j'adore, merci hein, les gars, merci à vous deux. Moi j'adore mais jamais jouer, et je joue plus en solo parce que je suis une merde en jeu de tir. C'est... Après, tu vois, Mona, si tu commençais un jeu, une fois un FPS, tu le commences et tu le fais en facile. Parce qu'il y a des FPS avec de chouettes histoires. Tu peux faire un FPS avec une histoire, jouer en facile ou même en normal, n'importe. Et tu t'améliores, quoi. Par contre, j'ai un plaisir de rejouer à la manette un FPS, ça fait très longtemps. Et là, tantôt, j'ai vu que j'avais retrouvé le truc parce que j'arrivais à tourner autour d'un ennemi en le tirant dessus. Bref, je suis un homme heureux, là, vous savez. Un homme heureux. Mon écriture ce soir, c'est une catastrophe, vraiment. Ah ouais, c'est vrai, comme d'hab, quoi, en vrai. J'espère savoir si une IA peut imiter à quoi. Oh, c'est marrant, vous avez tous les trois dit la même chose, vous êtes mignons. Qu'est-ce qu'il y a, Dashniak ? Pourquoi tu dis bro ? Parce que je suis mort 10 fois ? Je suis mort plusieurs fois bêtement, hein, en vrai. Je suis mort plusieurs fois vraiment bêtement, mon gros. Oh ! Nous ne désactivons la tour que temporairement. Retirez chaque lentille individuellement. Libérez les charnières. Alerte. Contamination énergétique détectée. Il n'est pas nécessaire de détruire la production d'énergie argent. Moi, je l'ai détruite, quoi. Il y a un truc au-dessus. Comment j'ouvre l'ascenseur ? Il y,
Il y a quelque chose au-dessus. Pour ça, je dois activer l'ascenseur. C'est à cause de cette caisse là qui bloque. Il y a un truc sur la... C'est indiqué sur la map, et puis même l'ascenseur, ça se voyait, à moins que... Attends. Il y a des secrets... Vraiment, je ne comprends pas encore les mécaniques du jeu, je sais pas encore exactement comment faire... Déjà, il y a deux portes. Ah bah oui, il y a celle-là. Les gars, on est d'accord? Regardez la carte. Il y a un truc au-dessus de moi. Ah, mais après, ça a peut-être un lien avec tout le niveau au-dessus, là, qui sera ailleurs. Donc ça se trouve, c'est pas du tout, mais non. Ça se trouve, on s'en fout, en fait, les gars. Ouais, ça se trouve, on s'en fout. Vraiment, la carte, elle est efficace. Hein. La carte, elle fonctionne bien. Hein. Une fois qu'on l'a apprivoisé, ouais, une fois qu'on l'a un peu apprivoisé, pardon, improvisé. Elle déclappe. I don't understand. Réfléchis trop, bâtard. Ok, c'est bon, je me casse. Et la suite, c'est où? La suite, c'est derrière ça. Ou alors par là? Ah, par ici. Du bonus, ça, les gars. C'est une salle bonus, là, que je cherche, là. Je suis pas censé venir ici. Yeah, c'est une zone bonus. J'avais raison. On sent que t'es plus à l'aise qu'au début. Ouais, vraiment, hein, vraiment, vraiment. Je te jure, je suis trop content. Sauti, la boussière qui prend les tranquillisants. Elle est bizarre, ta sauti, hein. Elle se shoot, et après, elle découpe de la chair. Urgh. Commence à me faire peur, t'as Chucky. Sauti, c'est Chucky femme, en fait. Bravo, tu casses tout. J'avais pas vu, Guerrero. Slayer, pas content. Ouais, c'est vrai, les gars. Merci, hein, Kuro. Ouh, changement de couleur, changement d'ambiance. Intrusion démoniaque détectée. Ça, c'est jump, je les attendais. Oh, ma grenade! Oh non, non! Ouais, c'est bon, là, je préférais mourir. Les gars, tu vois pourquoi je meurs, Dashniak? Je lance une grenade devant moi, à mes pieds. Tout à l'heure, je me suis explosé plusieurs fois avec un lance-missile tout seul. Donc voilà, ça, tu vois un peu comment je suis mort. Sacré fail, ouais, là pour le coup, vraiment. Mais j'ai vu le mec au bouclier, j'ai paniqué, j'ai fait grenade! Et c'était pas du tout le moment, quoi. Ah, je reviens ici? Est-ce que... C'est quoi là-bas qui brille? Attends, il y a des munitions ou quelque chose? C'est de la vie, ça? Oui, c'est de la vie. Est-ce que je dois repasser par la petite zone ici à droite? À gauche? À droite? Attends, et au-dessus, il y avait encore des trucs? Ah, il y avait ça aussi au-dessus. Oh, des munitions. Let's go. J'ai peur, ça. Ok, bon, j'avais déjà eu le bonus, mais voilà, comme ça on est bien. Putain, c'était stylé le finishing là, je lui ai mis une balayette là, je l'ai explosé au sol, c'était cool. C'est pas lance-roquette, c'est la grenade, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Oh non, on était sous soif. Avant, j'avais une alerte pour quand je devais boire un coup. Razorock ? Eh, ça va ou quoi ? Ça fait longtemps. Bienvenue.
C'est cool, hein. Alors des fois, elles sont un peu trop rapides, on voit pas bien ce qui se passe. Mais il faut juste s'habituer. Intrusion démoniaque détectée. Merde, tu con. Tu con. Ah bah y en avait un autre. Ah oui, c'est toi. Tiens là. Oh l'explosif. Oh merde. Il est mort le mec. Oh merde. Peut-être que j'arrête le pistolet, non? Mais je me dis, j'ai quoi un peu des munitions, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Faut que je shoote un peu normal. Oh! Je reconnais ça, c'est de l'essence pour ma tronçonneuse, là. Quand il y aura un géant, je lui ferai. Faisons encore un peu le tour. Ah merde! Attends, j'ai quoi, là? Ça fait quoi? Cette sphère permet à celui qui l'absorbe de se déplacer à la vitesse de la lumière. Une fois brisée, elle émet un nuage chargé d'énergie formant un puissant, mais bref, exosquelette accélérant, renforçant tout mouvement naturel. Les effets sont brefs, la vitesse qu'atteint le sujet boosté est époustouflante. Je mange mes mots, pardon. La fréquence cardiaque accélère de manière phénoménale, entraînant une fracture de myocarde. Le cœur explose littéralement. Vite, il faut que j'en profite de ça, là. Oh putain, je vais trop vite! Oh, courage, j'avais oublié. Merci Kuro, il envoie 100 bits à chaque fois que j'utilise la tronçonneuse, les gars. Oh, pas sauter dans le vide. Merci Kuro, t'es un amour. C'est win. Là, c'est win. Point de passage atteint. Il y a une porte là-bas, il y a une autre porte ici. Ici, il n'y a rien. Et il y a encore des trucs plus haut. Ok. Je vais regarder la carte. On va prendre les munitions. J'ai vu qu'il y avait un point de... Ok, je suis là. Ok, on a la suite là. Secret trouvé. Oh, c'est une arme, le secret. Ça, c'est une arme connue, hein. Ça, c'est une arme connue de Doom, hein. Avec deux balles, mais elle va déglinguer des bouches. Mais alors, attendez. Je reviens ici après, non? Ouais, la suite du niveau serait peut-être bien par là. Du coup... Regardons encore. Oui, il y a une porte là. C'est un ascenseur, ça. Ah, c'est mon objectif ici. Ok. Et alors, en haut, je vais juste voir une dernière fois en haut s'il n'y a pas des trucs, d'accord? Juste ça, vite fait. Donc, par là, là. Je suis arrivé de par ici, c'est ça? Je sais même plus, moi. Ouais, j'ai dû arriver par ici. Ok. Vous avez vu, hein, juste je... C'est rien raté, quoi, tu vois. Ok, ben bah let's go. Il y a la classe, ce fusil, hein, la tronçonneuse aussi. Et je l'ai utilisé, Kainox. Tu m'as pas vu, je l'ai utilisé, mais j'ai plus de munitions à chaque fois, donc... Ça prend 3 munitions pour découper les gros balèzes, mais c'est là que c'est le plus utile. T'as les meilleures armes du jeu, c'est vrai, Kuro? Let's go. Du-du-du-du-du. Ouais, c'est la base, Doom, hein. Ça fait des années que je voulais le faire, moi.
T'as déjà joué auquel, Razrock? Et Kuro, bah, il sera riche. Mais, problème, c'est que je suis en difficile et il n'y a pas beaucoup de munitions pour la tronçonneuse. C'est un peu dommage, hein. Au max. Les défis. Oh, flèche du bas, j'ai les défis. Vu avion. Mais le problème, c'est que je sais pas c'est quoi. Désactiver les filtres argent. 1 sur 3, ça c'est ma quête. Les défis tout court là. Obtenez la carte de la station argent. Effectuer 2 glory kills, vengeance céleste sur des chevaliers de l'enfer. C'est lesquels les chevaliers de l'enfer? Ah! Ils veulent que je fasse des kills d'en haut quoi. Ils veulent que je fasse des kills d'en haut, mais ils sont fous. C'est ça. Il y a 36 monstres différents. Ah ouais, non, il y a juste des améliorations. Ouais, c'est ça qu'ils veulent que je fasse. Deux glory kills, vengeance céleste. Céleste, c'est... Ouais, c'est dans les airs, quoi. T'as vu? Ah, let's go. Demande conseil à Soti pour découper les monstres. C'est quoi que j'ai ramassé, là? C'est pas ça que j'ai ramassé, normalement, si? Les tablettes retrouvées dans la grande steppe lors de l'étude automatisée de 2143 menée par l'UAC révèlent que les chevaliers de l'enfer étaient à l'origine d'une attaque déguisée contre le grand serpent pendant le premier âge. Une fois leur maître vaincu par les gardiens, les chevaliers de l'enfer furent déplacés dans les arènes de l'enfer, où ils se repaissent de leurs victimes, de victimes lancées par les démons supérieurs pour s'amuser. On soupçonne qu'ils gardent les reliques les plus sacrées dans le monde souterrain. Ah ouais, mais l'univers a l'air dingue. C'est pas ça que j'ai ramassé, je crois. Mais peut-être. Allez, let's go, la suite. Arrêtez. L'énergie infernale est inutilisable sous vos filtres. Mais pourquoi on les casse? Alerte, contamination énergétique détectée. On est juste censé les désactiver. Pourquoi notre pote, il les casse? Il s'en bat les couilles, quoi. Intrusion de l'énergie. On tire les deux d'un coup, on n'a pas le time. Hein. Merde, j'aurais pu l'achever. Invocateur, c'est quoi ces saloperies? Je les focus direct. L'adversaire rusé qu'est l'invocateur joue un rôle principalement défensif. Alors qu'une horde de démons déferle sur l'ennemi, l'invocateur renouvelle les troupes en ouvrant une brèche vers l'enfer pour invoquer des renforts. Pour éviter de vous retrouver submergé par cette horde implacable, votre stratégie doit viser en premier lieu l'invocateur. Lorsqu'il est directement attaqué, l'invocateur peut canaliser l'énergie infernale en une onde argent. Si cette onde tue la plupart des humains, ses victimes se transformeront parfois en possédés. Les très rares survivants à une onde argent ne sont pas le fruit du hasard. Tout porte à croire que l'invocateur choisit les combattants les plus résistants pour les intégrer à l'armée des enfers. J'ai presque froid là chez moi, ça s'est grave rafraîchi. Ah ouais? Oh, chez moi il fait encore chaud, hein. J'ai le ventilateur à la fenêtre ouverte, hein. T'habites de quel côté encore? C'est comme les manifestations, t'es juste là pour faire passer un message et d'autres cassent tout. Oui, c'est peut-être ça, ouais. Je suis juste un casseur en fait. Je vais jouer ça, moi. Tu veux jouer l'Enfeust? Hein, tu veux jouer genre cette classe là? T'as envie de jouer ça, invocateur? Il va nous détester, le gars, là. Hein. Il va nous détester. J'avais pas augmenté ma santé. Les gars. J'avais pas amélioré ma santé. Elle était pas censée être à 125. Salut ma pipou. Je reste pas parce que j'ai plus de jus, mais voilà.
T'as plus ta batterie est plate? Et comment ça se fait que j'ai plus 125, gros? C'est dû à quoi? C'est bizarre. Me dis pas que c'était temporaire. Ah, c'est si je meurs, ça... J'aurais dû lire, genre. Dashna qui connaît, il va peut-être pouvoir un peu m'aider, mais... Ma pipou, des bisous alors, si tu restes pas. Des bisous, prends soin de toi. Hein. J'ai un peu d'aigle, là. Hein. Je suis à Arcachon, moi, j'ai la fenêtre ouverte et j'ai froid. C'est où encore, Arcachon? C'est une barre qui s'est superpose sur la première barre de vie. Ah, ok. Ok, d'accord. Merci, Guerrio. Merci, mon bro. Ah ben... Regardez. Ah. Ah non, c'est pas du tout ce que je pensais. Merde, je suis deg. C'est une secondaire que je fais, on est d'accord. Ah non, c'est pas du secondaire, les gars. Et du coup, ici, à quoi? Sorry, hein, j'explore. Hein. Je suis pas assez bourrin pour vous, j'imagine, mais... Attends, c'était par où? Je suis passé par là. On ira là-bas après. La musique, j'adore. Elle prépare à ce qu'on arrive là. Ah ouais, bien vu, Guerrio. Bien vu. C'est eux, meurs, toi! Oh, ma vie. Sorry, j'étais un peu nul, là. Ça me fait peur, le rock, là, quand il apparaît. C'est un remake ou l'original? Alors, en fait, là, on joue à Doom, qui est sorti en 2016. En fait, c'est pas un remake, c'est pas un remaster, c'est un reboot de la saga. Donc, c'est pas les mêmes niveaux, etc. C'est un vrai nouveau jeu. Et c'est censé rebooter à zéro les anciens jeux. Donc, c'est pas juste un remake. Tu vois ce que je veux dire? Attends, c'est limité, ça? Ah non, d'accord. Première fois que j'utilise ça. Sympa. C'est quoi exactement? Les postes de soins de l'UAC suivent les spécifications de son prédécesseur, le pack de santé, avec toutefois une nano-dispersion améliorée, une synalyse et une lumière plus rapide. Lorsque le patient place son bras dans la manchon, les postes de soins lancent un scan atomique microscopique et administrent un nanopack qui cible les déficiences cellulaires. Les doses sont alors administrées au patient qui récupère plus vite. Plusieurs interventions souffrent parfois des vertiges suite au traitement. Il suffit alors d'introduire à nouveau le bras dans la machine et de recommencer le processus. L'opération peut être répétée. Ok, super. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, tu dis comme Bi. Ouais, non, Bi, il fait mieux. Moi, c'était nul, moi, comparé à Bi. Donc voilà, Mona, le premier est sorti en 1993. C'est un peu le papa des FPS, ce jeu. Oula. C'est un peu le papa des FPS. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. C'est un des tout premiers. Je sais pas si c'est le premier, mais... Il y a quand même des vibes... Resident Evil, parfois. C'est vrai que vous voyez pas toujours bien ici. La récente dissection d'une lame de l'enfer a révélé une remarquable embryogenèse. Entre la 3e et la 8e semaine de développement,
Ce parasite cherche un hôte pour le brûler de l'intérieur. Au fil de son développement, le bras de l'hôte se calcifie pour former une arme laser. Simultanément, l'hôte pyrolysé devient capable de résister aux températures extrêmes générées par l'accumulation répétée d'énergie infernale. La lame de l'enfer n'a encore jamais été observée hors de l'enfer. Et des recherches plus poussées figurent au programme de la prochaine opération de capture. C'est vraiment un laboratoire qui étudie l'enfer et ses démons, quoi. Alors, un excès de chaleur qui libère une vague destructrice en... Oh, grenade paralysante. Ah non, grenade paralysante, mon cul, ouais. Pardon, excusez-moi. Exploser les roquettes en vol. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal, parce que quand je rate les missiles, c'est chiant, quoi. Rouiller une cible. Le tir qui suit libère rapidement une salve de 3 roquettes. Ah, je sais pas, hein. Vous pensez quoi pour le lance-roquette? Verrouillage ou explosion à distance? Des fois, je tire à côté et je pourrais le faire exploser à distance, tu vois. Pour qu'il explose en passant à côté d'un ennemi. Tu vois? Celui-là est moins bourrin que Eternal. Ah ouais? Il est bien Eternal ou pas? J'ai entendu que beaucoup de gens préféraient celui-là, mais Eternal me faisait vachement envie, quoi. Mets ta tête dedans, bata. Non, non. Il est bourré maintenant. La vraie que celui de 93, ouais, on est d'accord. Faut que t'arrêtes de te faire péter les trucs à la gueule, ouais, je sais bien. Doom, 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 doom. I want to be my doom. Premier FPS, c'était Wolfenstein 3D. Oui, c'est vrai, c'est possible. C'est possible. Exploit à distance, c'est un autre truc à gérer. Ouais, mais le lance-missile, je dois déjà le faire calmement, tu vois. Ouais, c'est quoi? De toute façon, on achètera tout. J'ai envie de tester. Ça pourrait me sauver des munitions de roquettes. Oh! Eh les gars, j'ai une munition de tronçonneuse. Ah, on a tellement d'armes. Quel plaisir de ouf. Quel plaisir. Je suis venu d'en bas, hein, c'est ça? Je suis venu d'en bas. Il me semble. Hein. Non, peut-être pas. Enfin si, mais peut-être que la suite, elle est... Bah, je sais plus. Ah, il est là, la suite. Juste, j'ai vu encore des munitions en dessous. Elle saute. J'ai vu ça, là. Hop. J'en ai pas besoin, j'étais full. Ok. Allez, c'est parti, on enchaîne, on continue. Alors, c'est ma première run, donc je loupe tous les secrets du jeu, bien sûr. Il fracasse Eternal. Oh, let's go. Les deux sont bien. Ouais. Écoute, en fait, tantôt, j'ai loupé tellement de roquettes, ça m'a saoulé, donc on va tester. Hein. Mais Eternal, on le fera, hein. Mais vous savez, moi, je jongle entre les jeux. Donc Eternal, on attendra un petit peu. Comme Outlast, on a fait le premier, on va faire le 2 bientôt. Très bientôt. Mais d'abord, on a Resident Evil 3 à faire. 64 gratuit sur Epic. Oh, jusque demain 17h. Ah ouais? Oh, vas-y, je vais le choper par contre. Hein. On se demande où il aimait les armes. Bah écoute, mec, dans son cul quoi, tu t'en doutes. Hein. 1981. Oh putain. Non, c'est le nom, quoi. Ah, et on arrive au-dessus. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va se passer là? Vous entendez la musique qui démarre doucement là? Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez pas envie de spammer un peu les flammes là? Vous avez pas envie de spammer un petit peu les flammes? Elles vont apparaître en dessous du stream en plus. Regardez en dessous là, vous avez vu en dessous et elles bougent dans tous les sens. Vous êtes prêts? Moi je sais pas si je suis prêt. Hein. Je sais pas si je suis prêt les gars. 80. Il était pas en 3D, ok. Let's go. Non, l'enfeu, je vais te ban. Allez, let's go. Eh ben, y'a pas de monstre. C'est la première fois, ça, les gars. C'est quoi, ces conneries? Stop, arrêtez de spam. Arrêtez de spam, y'a pas...
Les gars, y a jamais eu ça? Putain, y avait moyen de grimper là directement? Mais les gars, on s'est fait arnaquer? C'est un bug ou pas? Unsub, vous pensez que c'est un bug? L'infest. Bon, j'ai envie de pleurer, quoi. S'il y a peut-être juste un objet. Non, même pas. Hein. On a déjà été en dessous. Ah, oh, c'est au cas où tu loupes la zone de loot, quoi. Ah, les gars, je suis vachement deg, hein. Objectif est là-bas. Putain, franchement, je suis deg. Du coup, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc, il se passe rien. On veut du sang et des têtes fracassées. Oh, c'est ce que je veux aussi, mon ami. On va trouver ça, t'inquiète pas, on va trouver ça. En plus, la musique, elle me chauffe depuis tout à l'heure. Genre, vraiment, elle me chauffe, tu vois. Ok. Je suis arrivé de là, non? Ils ont spawn en retard, c'est possible? Je suis bloqué! Oh putain! Les finishim sur lui sont pas dingues, hein. On dirait qu'ils ont spawn en retard. Je crois, c'est vraiment ma théorie. C'est ma théorie, les gars, ils ont spawn... pas du tout, ils auraient dû spawn. Vraiment, ça n'a aucun sens. Regardez sur la carte, il y a un truc au-dessus. Tu vois, là c'est un secret, c'est ce qu'on appelle un secret. Donc techniquement, il y a moyen de grimper quelque part. Regardez, il y a un truc là. Il y a une rune là. Quelqu'un me spoil pour comment je fais pour y aller? Spoilez-moi. Bon, une fois que je vous demande. Ah bah, c'est par là, d'accord. Ok, j'ai trouvé. Ça vous servait à rien, hein. Il y avait du ping, peut-être, ouais, c'est ça. Hein. C'est un défi. Ah oui, c'est vrai. Détruisez 30 barils au pistolet avant la fin du temps imparti. 2 secondes par baril. Allumer les briquets pour un concert de muets avec un public de sourds. D'où tu sors cette phrase? J'ai essayé de faire attention où j'en avais... Là! Oh, j'ai appuyé. Ah, il m'en restait 4. Attends, on va le refaire. On va essayer d'être plus efficace. De ton cul. Ah, c'est bien. C'est une très belle réponse. On va partir comme ça. Hop, on va partir par là. Sur la gauche.
C'est un défi un peu nul, un peu bizarre, hein, on pourrait dire. On va partir sur la droite. Bah frère! Hop là, super, c'était sympa. Let's go. Spam le pistolet. Ben moi, je vise bien, mon frère, c'est tout. Pas besoin de spammer. Je suis allé voir tes premiers streams quand tu lançais, tu te tournais sur ta chaise car ta cam était sur ta télé. Je pense, truc de ouf, le chemin que t'as fait vraiment. Oh, c'est vrai, Fab. Oh, putain, ça sort de nulle part, ça, mon bro. Ça sort de nulle part, ton message. C'est trop gentil, ça fait trop plaisir, mec. Merci, merci beaucoup. Putain, ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai, des cœurs, mon bro, merci. C'est vrai, à l'époque, les gars, c'était compliqué. Hein. Elle était pas sur ma télé, ma cam était sur un petit pied que j'avais mis sur le côté. Et je jouais sur ma télé, et j'étais obligé de me tourner pour accéder au PC, et me retourner devant pour jouer, c'était très compliqué à l'époque. Hein. Merci Fab. C'est cool. T'as vu, il y a de l'évolution, hein. Il y a de l'évolution, on progresse doucement, mais sûrement... Vas-y, ça me fait plaisir, ton petit message, là. Vraiment, je te jure, ça me fait trop plaisir. Et les gars, s'il a pu aller voir mes premiers streams, c'est parce que tout est sur YouTube, les amis. Si vous allez sur YouTube, sur Batacha Replay, tous mes streams, sans exception, sont postés là-bas. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Allez, let's go. Bon, on a été distrait par ça, par la vague de monstres. Maintenant, on va par là. Hein. C'est un Pokémon, il évolue. Ah, oh, Dachniak Ouh, il va nous en vouloir, le gars. On va encore détruire son truc, là. Non, il nous a rien dit. Il a le seum. Il a compris, le mec. Alerte. Contamination énergétique à un niveau critique. Nous avons passé des dizaines d'années à perfectionner cette science pour la vendre à l'humanité. Nous avons équilibré leur énergie infernale avec notre science. Oh, Wapak! Utilisable et sûr. Nous avons Wapak qui me raide! Ne savait pas faire face et ça fonctionne. Vous je suis plus sub. Sad. Merde, j'ai pas trop écouté ce qu'il disait, le gars. Merci Wapak pour ton raid. Bienvenue, les gars, comment ça va? Tu vas bien, mon vieux? Des bisous, Prince Dozor. À la prochaine. Des bisous. Bienvenue à vous. J'espère que le live s'est bien passé. Seiya, tu fais partie de la Seiya. Allez, la voix, tu vas rencontrer plus tard. Mais me dis rien. Mais Dachniak, attends, tu te fous de ma gueule? T'es le gars qui dit, je vais pas te spoil. Et là, tu me dis ça? Mec, t'es con ou quoi? Mon frère, T'es con? Ou t'es con? Je t'aime bien, hein. Dachniak. Mais c'est pas grave, ça, on l'aime bien. Oh, munitions de... tronçonneuse. En tout cas, bienvenue, nous on est sur Doom 2016. Le reboot de la saga Doom que beaucoup de gens connaissent. Hein. Ah, je suis de retour ici. Ouais, c'est bien. Et du coup, voilà, on déglingue du démon. Sur du métal, sur du rock. C'est juste incroyable, c'est un pur plaisir. Il y a une armure là au-dessus de ma tête, je sais pas comment l'atteindre. Juste au-dessus là-bas, elle est cachée, on va pas. Comment je fais pour... Ça faisait quoi chez toi, mon vieux? Des bisous, Fab, merci d'être passé, hein. Prends soin de toi, des bisous. Oh non, je spoil plus, finito, t'as dit ça trois fois, frère. T'avais pas spoil aujourd'hui, mais t'as quand même dit ça trois fois. Bon, l'armure, regardez, elle est censée être en dessous. Là-bas, tu vois, elle est là. Nadir, merci pour le beat. Merci beaucoup. Thank you for the beats. Est-ce que je vais par là? Ah ouais. Hein. J'ai perdu plein de vie là d'un seul coup, non? Ah, il est mort lui. Mais qu'est-ce que... Je perds beaucoup de vie. Mais quoi? Mais attends, qu'est-ce qui...
Merci pour les bits. Merci beaucoup les gars. Attends, il y en a une que je dois tuer. Attendez, je vais vous lire, hein. Elle a explosé. Ah non, c'est mes grenades. Ah mais... Mon lance-roquette, elles explosent. Les roquettes explosent avec un petit retardement. Je suis trop nul. Merci Razrock pour les bits. Merci, merci. Merci les gars. Attends, j'étais trop bourrin. Parce que je savais que ça parlait dans le chat. Je voulais vous lire. Comment tu vas, Nadir? Comment vas-tu? Bienvenue. Je te file mes fonds de poche. Bah écoute, je prends avec plaisir. Les vieux cents qui traînent dans le fond de la poche, là, depuis 5 ans, je les prends. Dans 9h, il y a la vente des places pour le concert de Rammstein. Ouh. Sache que Kurokawa a acheté ses places, il me semble. Il a déjà acheté ses places, Kurokawa. Non? Je sais plus. Au cas où le chat me les offre, arrête de gratter. Tu fais genre, tu rigoles, mais tu grattes. Ah, voilà. On a fait du loup-garou avec Sweetman et la Oh, Sweetman, ça fait si longtemps. Ça fait si longtemps, Sweetman, que je l'ai pas vu et tout. Il faudrait que je le voie. J'ai sur son live une fois. Désolé, j'ai dit une connerie. Doom 64 sur Epic, c'était la semaine dernière. Oh, dommage, en first. Bon, après, Doom 64, je peux peut-être le trouver pas cher, quoi. Hein? Mais avec le retardement des roquettes, tu te fais exploser. C'était des autres roquettes. C'était des mini-roquettes qu'il y a sur ma mitrailleuse, mec. C'est différent. Ah ouais, je reviens là. Donc je vais devoir aller relooter... relooter là-bas, là. Attends, j'avais fait quoi ici exactement? Ah oui, je m'étais juste remis de la vie, voilà, c'est ça. Bon, on est déjà mort 12 fois aujourd'hui quand même, hein. Les membres du fan club ont eu un accès anticipé. Sérieux? Mec, t'es membre du fan club de Rammstein? Mais c'est insane! Mais c'est quoi exactement le fan club? Genre. Bon, j'ai conscience de ce que c'est qu'un fan club, mais. Regarde, vous êtes prêts? Moi, je sais pas. Oh, ma vie, les gars! Il y a un truc qui fout la merde. Je suis mort, hein. Je suis mort, hein, les gars. Ouais, non, je suis mort. C'est la sorcière, là, c'est la deuxième fois qu'on en voit. La première fois, on a pu la gérer vu qu'on l'a attaqué très vite. Là, je l'ai pas vu spawn et... Putain, c'est dur, alors, cet endroit. Il n'y a pas de dash dans ce jeu. Alors, Razrock, écoute, j'en ai pas encore. Alors, est-ce qu'il y en aura plus tard? Peut-être, peut-être pas. Par contre, là, c'est dur, être mort deux fois dans cette zone. Peut-être qu'il y aura des dashs plus tard. Peut-être... Je sais pas. Charge l'arme plus rapidement. Mais j'ai pas de points, de toute façon. Je sais que dans le... Putain, je dois recommencer encore cette merde. Je vais chercher ma vie, hein. Je sais que dans Eternal, il y a des dashs, il y a des trucs. Mais ici, j'en ai pas, hein. Je suis en France, moi, donc si t'as pas de place, ce sera seulement de ta faute à toi. Ah! Focus la sorcière. Mais en fait, il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de mobs. En fait, le problème, c'est que je les attire en tirant, en détruisant l'objectif. Le problème, c'est que l'objectif, si je le détruis pas, il me tire des boules de je sais pas quoi dessus. C'est compliqué, hein. Mais je crois pas qu'elle ait d'âge dans celui-là, malheureusement. Berserk! Je disais bien que c'était dur ici quand même, donc là ça m'étonne pas maintenant. C'est fini! Voilà.
les gars, j'ai débloqué un super pouvoir en fait. Voilà, voilà, hein. Je peux pas, c'est trop. Putain, mais dire qu'il y aura un double saut, mais ça va être quoi les combats? Ça va être Bugs Bunny, ça va être trop bien. N'oubliez pas, le conseil des neuf garde un œil sur vos constats. Petit point d'armure là. Du coup, je voulais augmenter quoi? Dextérité. Change plus rapidement d'arme. Ah, je sais pas en fait, hein. Lorsqu'un pouvoir se dissipe, une explosion se déclenche. Ça pourrait être pas mal. Après, je pourrais juste économiser et puis revoir un peu plus tard, quoi. Les gars, c'est la fin du niveau? On arrête ce soir? Vous doutez de votre foi? Cela nous arrive à tous. Je crois que c'est la fin du niveau et qu'on arrête. C'était le moment final ici, mais trop facile avec le berserk. C'est dommage, le berserk, c'était un peu trop cheat. Après, non, j'avais été prudent, donc j'avais tout tué avant, mais... J'avais vu le film Doom. Ah ouais, ouais, moi j'ai adoré. Ça mourir de rire. Non, moi j'ai adoré. Moi, il me faisait pas rire à l'époque. Moi, j'ai adoré trop. Hein. D'ailleurs, je crois que... Non, est-ce que je l'ai en Blu-ray? Je crois que c'est un de mes potes qui l'avait en Blu-ray, ou peut-être que je l'ai acheté. Je vais me le refaire. Hein. Moi, je le trouve trop bien. Je le trouve, premier degré, trop bien. Attends, c'est pas encore fini. Peut-être que les fans de Doom, de la première heure, ils ont du mal, mais moi, je trouve trop bien. Un film à l'ancienne. Bon. Si vous cherchez à stopper notre production énergétique, il vous suffit de détruire le filtre. L'énergie argent cessera d'exister dans... Pourquoi il nous dirait ça? Pourquoi il nous dirait ça? Oh là là! La case départ. T'as pas peur, frère, quand même, hein? Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Olivia est toujours en vie. J'ai détecté sa signature vitale dans la tour argent. Elle a retiré l'un des accumulateurs de la base. Nous allons pouvoir suivre sa trace unique. Ok. Alors, c'est ça. Il n'y a plus rien à faire. Bah les gars, c'est bon, hein. Let's go, les gars. Un chapitre de plus terminé, c'était le quatrième chapitre, et je rappelle qu'il y en a 13. J'ai déjà 3 du prochain live. Tellement hype. On fera 3 lives dessus, tu vois. 3 lives, on comptera à chaque fois les chapitres et 3 lives. Ça va? Comment ça écoute? J'ai écouté. Ah, la musique, ouais, ouais, non, mais les musiques sont folles. Hein. J'espère que c'est assez fort et tout. J'irai voir la rediffusion, voir est-ce que je dois baisser le reste pour que la musique soit plus forte et augmenter. Enfin, tu vois, je vais regarder. Hein. Des bisous, l'enfeust. Il est trop mou, ton jeu. Le pire, c'est que c'est vrai, il y a des moments où il est très, très calme. Hein. No joke, il y a des moments où tu te balades, voilà. Là, je suis mort 2 fois de suite, tout de suite, ça calme. Hein. T'as bien aimé aussi, Kuro? Bah ouais, voilà, moi, j'étais chouette. Hein. Je vais peut-être aller le voir. Non, peut-être pas ce soir, il est quelle heure? Minuit 12. Non, non. Mais j'aimerais bien le revoir, du coup. Hein? Bye, l'enfeust, hein. Ciao, ciao. Bon! Niveau combat, en tout cas, j'ai la dose. Les secrets, j'ai pas. Les protections, je les ai pas toutes. Drone de terrain, il y en avait un deuxième. Merde! Il y avait un deuxième drone, je l'ai pas vu. Oh. Vue d'avion, obtenez la carte. J'ai pas eu la carte. De Glory Kill, Vengeance Céleste sur des Chevaliers de l'Enfer. Là, je comprends, c'est trop chaud à faire. Bon. Sauvegarder et quitter. Eh bien, écoutez, pour cette découverte, je suis un homme heureux. J'ai kiffé. J'ai vachement kiffé. Et regardez, hein, ça, c'est Doom Eternal. Putain, c'est vrai que mon overlay, ils se font bien dans le jeu. Hein. Ça, c'est Doom Eternal. Doom Eternal, les gars, je pense, me spoilez pas, mais je pense qu'on va en enfer, quoi. Je pense littéralement qu'on va chez eux. Je pense qu'on va visiter l'enfer, mais je suis pas sûr. Mais me dites pas. Hein. Tu stops ici? Ouais, je pense que c'est un bon moment. Voilà, je sais pas, il est minuit 13, comme je fais beaucoup de live et tout, puis on a 4 chapitres, prochaine fois on en fera peut-être 5, moi je pense que c'est une bonne idée, voilà, je pense que c'est une bonne idée, toujours en difficile, bah ouais, toujours en difficile et quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi ça? Ouais, toujours en difficile, ouais, je vais rien dire, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi,
Qu'est-ce qui te traverse la tête? Ça va, ça se passe bien pour une première run en difficile, non? Ou t'es occupé de te dire que je vais jamais y arriver plus tard? Des bisous, Riddler, des gros cœurs, hein. Ciao, ciao, hein. Bonne abonnée aussi, hein, des bisous. Tu vois, y en a qui fatiguent, y en a qui vont travailler, tu vois, donner tes sous. C'est vrai que je devrais continuer, hein, mais c'est chaque fois un dilemme. Mais la prochaine fois, on fera 5 chapitres, ou 4. Celui d'après, 5 ou 4, on verra. Même pas le mode Ultra Nightmare. Alors, pas déconner. Y'a quoi comme difficulté? Il y avait... Donc moi, je suis en ultra-violence. Et il y a cauchemar. Puis il y a ultra... Ouais, ultra-nightmare, du coup. Ça, je peux même pas le faire. Mais par contre, le faire en cauchemar, les gars, ça aurait été trop compliqué, hein. Déjà, là, en ultra-violence... Déjà, cette phrase, il y a moins de didacticiel. Genre, il t'explique plus trop le jeu, quoi. Juste un peu. C'est chaud, quand même, non? Et c'est vrai qu'il me disait pas grand-chose dans le jeu, je trouvais. Il y a pas beaucoup de pop-up qui te dit « Hey, ça, tu peux faire ça !» Non, en vrai, ça va, il y a ce qu'il faut, mais... voilà. Regardez l'image, c'est un petit crâne de bébé avec un casque. Là, juste un petit crâne, mais il est assez petit. Celui-là, il est bien balèze, déjà démoniaque, tu vois. Celui-là, bon, ben, n'en parlons pas. Et celui-là... Là, c'est Satan, quoi. Vous pouvez sauvegarder votre campagne après avoir terminé une mission. Mourir ou échouer lors d'une épreuve runique n'affectera pas votre progression. C'est une mode cauchemar avec un gros ajustement. Si vous mourrez, la campagne est terminée. Et une marque de mort subsistera pour vous indiquer jusqu'où vous êtes arrivé. Putain, lourd. Lourd, lourd, lourd. Ok. Bon bah, YouTube, à la fin de cet épisode, j'espère que t'as plu. J'espère que t'as plu. Non, t'as pas plu, mais j'espère que ça t'a plu. Très bonne découverte. Très, très bonne découverte. J'avais déjà vu, évidemment, du gameplay plus d'une fois par le passé. Mais j'avais pas vu grand chose, mine de rien. Et quel plaisir, vraiment quel plaisir. J'ai ragé quand je me suis perdu sur le chemin vite fait un moment là. Sinon à part ça, le feeling est là. Jouer à la manette, quel plaisir aussi. J'avais hésité à jouer clavier, souris, manette. J'ai essayé les deux pendant 5 minutes, puis j'ai choisi manette en fait. Voilà, c'est un jeu qui a été aussi fait pour la console. Ça se ressent. Et le feeling est très 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 bon. Non, pas grand chose à dire, hein. Vivement que j'y rejoue quoi. On verra quand, mais au plus vite. Donc YouTube, des bisous.